Pourquoi petite fleur fanée? Mais parce que tu les as pas arrosées, Nabil! Putain, je pars une semaine en vacances avec une pote, une semaine! Je reviens, tu nous as tout niqué! Alors pour s'occuper de ces veuches, là, il y a du monde, hein! Les lissages brésiliens, tout ça, t'as le temps! Mais pour arroser les hortensias, là, il y a plus personne! Pff, oh là là! Vroom, vroom, je fais des roues arrière dans le tuto mandré! Bienvenue pour ce 5e Grand Prix des Fesses de Daronne. Bonne chance à tous et que le meilleur niqueur de mer remporte la course. Le numéro 10 part en tête et s'engage directement dans le col de l'utérus. Oh, il m'a dit combo. Au facho de con. Putain, je suis pas payé pour ça, moi. Suis-moi, tu verras, ça deviendra illégal. Putain, mais pourquoi je t'ai suivi, bordel? J'ai rien fait, moi. Laisse-moi sortir, je t'en supplie. Y'a pas moyen, Jaja, tu restes avec moi. J'suis tombé l'œuf d'un voyou, pas d'une salope. Mademoiselle, y'a qu'un Nakamura. Arrêtez-vous. Comment il m'a appelé, ce fils de pute? C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Tu sais, on a vécu des beaux moments ensemble. Tout est magnifique et l'avenir est devant toi. C'est pas toi, c'est moi le problème. Chut, n'insistez pas, ma décision est prise. J'ai calé l'affaire. Laissez-moi faire. Vous êtes cernée, Madame Carbo Nakamura. Putain, je vais l'enculer. Rendez-vous. Papa m'a dit faut du tous. Mais c'est pas sa taille, ça. Quand vous avez un problème, faut appeler Baba. Il faut du 12 ans, petit, sur ma vie. Choucroune. Je suis plein vers les coups de minuit. Je veux pas te blesser alors que t'es mimi. Aha! Aha! Y'a Gargamel, le BDH! Oh, surfeuille, on a oublié, je trouve buvette! Donc ne pose pas de questions ou interview ma bite. Peace, 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 peace. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de très spécial. Détesté par certains, idolâtré par d'autres, c'est une personne clivante mais droite. Et c'est la première fois qu'il accorde une interview à la télévision. Et donc tout de suite, la première question que l'on se pose, celle qui brûle les lèvres quand on vous voit, quel regard jetez-vous sur le conflit israélo-palestinien ?